des pouvoirs publics de repenser la question. Finir sur la question. Parce qu'on se posait la question, on se demandait tout à l'heure, bon, le président va encore à son ordonnance à une portée réglementaire, il va saisir l'Assemblée nationale pour avoir la loi de ratification. Dans le contexte parlementaire camerounais, aucun député ne peut se mettre debout et se prononcer contre cette ordonnance du président. Donc je dis que nous soyons républicains, à certains moments, lorsqu'on a mal pensé certains projets, écoutons le tollé public, écoutons les contestations et revenons dessus. Valère Bessala, y a-t-il possibilité de revenir sur cette affaire, ou alors c'est l'opacité qui entoure cette affaire? Vous avez parlé des crimes. Est-ce que ceux-là qui ont organisé cette affaire sont prêts à tout au détriment du bien-être des Camerounais? J'insiste sur le crime, parce que c'est un crime, je précise le crime, c'est un crime de lèse souverain. C'est pas un crime de lèse majesté, c'est un crime de lèse souverain. Le souverain, c'est le peuple. Le souverain, c'est le peuple. C'est-à-dire quand vous piquez au peuple, pour donner à une petite clique d'individus, pour leur lucre, leur enrichissement personnel, c'est un crime de lèse souverain. Mais je vais vous dire une chose. Madame Simon a raison. La carte nationale d'identité, selon leur langage, est effectivement un précieux sésame. Parce que la définition du précieux sésame, c'est quelque chose qui est difficile à avoir. Et lorsque l'on l'a, on finit par louer, pour ceux qui sont des religieux, louer l'Éternel, ou louer Allah, comme mon frère Moussa, par exemple. Donc, vous comprenez ce que M. Moussa disait tout à l'heure? Comment un roi peut devenir un précieux sésame? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont des effets de langage qui traduisent en fait le subconscient. Ou louer Allah, comme mon frère Moussa, par exemple. Donc, vous comprenez ce que M. Moussa disait tout à l'heure? Comment un roi peut devenir un précieux sésame? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont des effets de langage qui traduisent en fait le subconscient qui trahit, merci, le subconscient de leur complot contre le peuple. Parce que venir sur un plateau et dire que la carte nationale d'identité est un précieux sésame, il le confirmait, l'affirmait devant maître qui en fait voulait même l'amener à comprendre que non, ça ne vous arrange pas. Vous voyez? Donc c'est ça le subconscient. Et M. Moussa vous a dit, quand on nous a appris là, quand un tonneau fait déjà trop de bruit, il va se percer. Nous sommes à la fin du régime. Et c'est pour ça que je dis au peuple camerounais, allez donner les 10 000. C'est pour un an ou deux. Comme je dis avec les sujets qu'on va aborder, les gens qui vendent les départements entiers, les terrains et tout, c'est un décret. Hein, en format A4, quelques petites écritures, une signature au bout du décret, on réincorpore tous ces biens dans le domaine de l'État. Terminé. Parce que moi, cette affaire de Rogentic, il suffit qu'en 2025, le peuple vote, ça a changé à la tête de l'État, et puis on annule tout ça. C'est fini. Et pourquoi on va annuler? Parce qu'en fait, je vais aborder ce sujet sur un autre plan. Le problème de la carte et du passeport pose un véritable souci. L'incoordination de notre génie sécuritaire. Vous savez, les questions de sécurité comme celle-là sont gérées, par exemple aux États-Unis, par l'armée. C'est-à-dire, nous avons un génie militaire au Cameroun, M. Bouba, qui est là pour faire les routes, qui gagne les marchés de route. J'ai lu récemment encore là, ils ont gagné un marché de route ici dans la ville de Douala, où le délégué du gouvernement de la ville de Douala a donné un marché de quoi là, je ne sais pas, un génie militaire. Quand on dit un génie militaire, M. Bouba, ce n'est pas les routes seulement, ce n'est pas les bâtiments, c'est le génie industriel, le génie électronique, le génie informatique, le génie sécuritaire, le génie biologique. Merci, M. Moussa. Ça dit que qui rentre dans la souveraineté, la sécurité du pays, c'est l'armée. C'est pour ça aujourd'hui que je dis, c'est méchant. C'est méchant non seulement envers le peuple, non seulement avec le président de la République, qui n'a plus vraiment les moyens physiques de pouvoir les suivre. Parce qu'il ne peut plus courir après eux. Là, je fais un clin d'œil à Maître Sikati.
Il n'a plus ses moyens, sans vu son âge. Hein? Mais c'est méchant, surtout envers les personnels sécuritaires. Parce que c'est des gens qui connaissent l'école. À la police, il y a des ingénieurs, des gens qui ont fait de la bonne école, comme dans l'armée. Et qui peuvent faire ce que ces petits blancs-là viennent faire chez nous. S'enrichir et aller loger de l'argent dans les comptes hébergés extérieurs de nos dirigeants. C'est méchant envers eux parce que ils font l'école. Parfois, c'est l'État qui paye leurs différentes formations. Et on appelle un monsieur avec une entreprise de mallette pour venir les employer. Rassurez-vous. Vous croyez que ce monsieur va venir avec les Allemands pour faire ça ici? C'est nos policiers, hein? Tout grade confondu. Allez au service du passeport. C'est nos policiers qui sont là, qui vous accueillent, qui font tout le job. Tout le job. Vous allez voir que même celui qui s'occupe des machines, c'est des Camerounais. Le blanc, lui, il passe le temps en Allemagne, et le Cameroun dans l'avion. Il fait le tour de Cameroun. Dans son sur son portable, il vérifie si l'argent était viré par le Cameroun. Si ça n'a pas été viré, il fait la pression à l'État. C'est fini, c'est terminé. C'est lui qui vit l'argent au Cameroun. Je voudrais donc vous dire que voilà la méchanceté des aînés. C'est-à-dire que nous avons une ressource humaine que l'État forme avec l'argent du peuple, ces vaillants policiers. Mais on préfère ne pas les utiliser parce que nos intérêts sont dans notre ventre. Et donc, on va chercher un blanc. Et on rend nos policiers esclaves d'un individu parfois ou d'une petite clique de deux ou trois individus, parfois qui n'atteignent même pas le quotient intellectuel de nos gens qui écrivent. Je dis cela et je ne sais plus rien pour sortir que il est donc important d'assurer, et là je vais en appeler monsieur le DGSN, parce que je sais que lui aussi, il est né du président d'un an, mais il est encore plus solide apparemment, je vois. Et aussi, monsieur le ministre de la Défense, d'engager un dossier de coordination, d'harmonisation des ressources sécuritaires de l'État. C'est-à-dire dans le sens de créer un véritable génie sécuritaire. C'est-à-dire que refondre ce qu'on appelle le génie militaire en un génie sécuritaire qui implique à la fois les forces de sûreté, de sécurité et de défense qui ont une certaine connaissance à la pointe de certains domaines scientifiques afin de pouvoir sécuriser certains domaines de notre État et ne plus nous laisser à la vindicte et à la merci de ce genre d'aventuriers à qui on donc confie notre CNI. Docteur Marcel Simon, ensuite on termine par Joya Moussa. Oui, merci Monsieur Bouba. Je vais dire quelque chose avant de commencer. Je suis responsable de ce que je dis, Monsieur Bouba. Mais ce que je ne suis pas responsable, c'est du degré de compréhension de ce que je dis par les uns et les autres. Il faut bien qu'on se comprenne. Je vais aller plus loin en disant, j'insiste encore sur le caractère sésame. Parce que j'ai gardé, bien que femme politique, un minimum d'honnêteté. Je reconnais qu'il y a hier, ou alors que hier, les gens passaient 2 ans, 3 ans, 4 ans avec des récépissés. Et d'ailleurs, j'ai félicité le parti politique qui, à un moment, a commencé le projet « Je veux ma CNI ». Ça, j'ai reconnu. Je n'ai pas besoin d'être de l'opposition ou pas, ou du parti au pouvoir pour ne pas dire quand ça ne marche pas. Et à un moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'en réalité, la CENI était difficile à avoir au Cameroun. Il faut qu'on le reconnaisse. Je vous en prie. À la faute de qui? Oh là là. Expliquez-moi qu'on comprenne. Laissez-la dérouler. Là, ça peut être intéressant. Oui, mais justement, parce que quand vous parliez. Justement. Oui, parce que bon, je ne laisse pas trop de fenêtres dans mes propos. C'est pas sûr que vous avez la même capacité de réplique. Non, on ne peut même pas avoir. Voilà. Ça, on ne peut pas. Voilà, justement, poursuivez. Et je m'efforce encore à respecter la possibilité de réplique des uns et des autres. Ça, je le dis honnêtement. Donc, je continue de dire. Lorsque je parle de ces hommes ici, c'est parce que je me mets à la place. Alors je revois la situation d'hier, qui était vraiment compliquée. Qui, à un moment, même des gens dans les blagues vous disaient « j'organise un voir CNI ». J'ai entendu quelqu'un vous dire sur Facebook « j'organise un voir CNI ». Ça dit qu'elle est allée au... Non, oh là là, oh my God. Apparemment, vous ne vous rendez même pas compte. Non, maître, Monsieur Sicati, si vous jouez à ce jeu, je crois qu'on finira par faire une émission vraiment de sauvage. Donc, vous allez... Si vous voulez qu'on joue à ce jeu, alors permettez que je termine. Non, je ne m'apporte pas. Et surtout pas avec vous. Si vous voulez qu'on joue à ce jeu, vous me connaissez un peu dans ce domaine. Je vous en prie. Vous allez me souvenir une fois de plus. Donc je continue à dire, je voyais des gens dire je vais faire un voir CNI. Pour montrer combien c'était difficile à voir. C'est pourquoi j'insiste sur le sésame. Et en démontrant que
Le souci aujourd'hui, la théorie de complot que vous développez, la théorie d'incitation que vous voulez développer ne servira à rien. Tout à l'heure, on vous parle des doubles identités et quelqu'un vous dit, ça ne nous dérange pas, ça ne nous sert à rien. Ce que nous voulons, c'est ni naturellement, c'est gratuitement. Non, il y avait aussi des problèmes. Et même cette problématique liée à la double identité n'était pas à négliger au Cameroun. Il faut le dire. Et là, à un moment, arrêtons-nous, même si on veut tirer. D'ailleurs, je dis souvent, on peut ne pas aimer le gouvernement de Paul Biya. On peut ne pas aimer Paul Biya lui-même. Mais on gagnerait à aimer le Camerounais et à garder un minimum de netteté à un moment. Dire oui, lorsqu'on nous parle de double identité, on se rend compte que oui, les Camerounais ont quelque chose à se reprocher par rapport à la confection de cette pièce qui devrait en principe être un élément naturel pour nous. Donc lorsque je parle de ces âmes ici, c'est qu'il y a eu un ensemble d'éléments en avant qui ont permis aux Camerounais de ne plus s'approprier cette pièce ou alors ce bout d'éléments qui était supposé. D'ailleurs, je veux revenir un peu comme l'acte de naissance, qui, d'une fois l'enfant né dans un centre de santé, la déclaration de naissance lui donnait droit directement à un acte. Mais à un moment, on est arrivé à quoi? Où des enfants, au niveau du coup moins de voulant faire des examens, n'ont pas d'acte de naissance. Et l'État encore de se ramener a dit, il faut en faire de manière spontanée aux enfants pour leur permettre de composer. Donc, à chaque fois que l'on pose un acte, ça ne sert à rien de tirer et dire, non, ça ne marchera pas, c'est pas bon, ça ne nous sert à rien. On garde un minimum de froideur. Et on s'est dit, oui, à 10 000 francs, pourvu qu'en deux jours, on ait cette pièce. Alors, M. Yamoussa, on sort par là en une, deux minutes, tout au plus, sur la question. Qu'est-ce que l'État gagne en mettant à contribution à ce prestataire, ses fonctionnaires, parce que c'est les hauts fonctionnaires de police qui font tout le travail là-bas. Il y a tout un bâtiment qui a été donc octroyé à cette structure sur le terrain de l'État. D'emblée, je vous dis, l'État ne gagne rien. Et je rejoins ce que Valère Bessala disait tout à l'heure. Ça me rappelle les affaires des consultants. Très généralement, on va vous chercher un consultant en Occident. On vous dit, il va faire l'étude de préfaisabilité de l'autoroute Douala-Yaoundé. 6 milliards. Vous savez ce que le gars vient faire? Il prend tous les rapports que tous les directeurs du ministère des Travaux publics et du ministère des domaines, etc., ont déjà fait. Et on a tablé dessus. Il en fait la synthèse et il donne au Cameroun. Si vous allez aujourd'hui, vous passez mon compte, vous demandez, vous faites une salle à la semaine à la semaine. Si vous allez aujourd'hui, vous tapez même sur internet, vous demandez, termine par là. C'est que quand vous prenez la question de la carte nationale d'identité, vous voyez les coûts, vous voyez la souveraineté, vous voyez la souffrance des Camerounais. Pour moi, il y a un problème beaucoup plus qui me choque davantage dans cette affaire. C'est que nos gouvernants sont totalement autonomisés de la société. Et c'est un danger grave. Parce que lorsque les gouvernants ne misent plus, n'ont plus contact avec la réalité, sachez que la chute n'est plus loin. Parce qu'ils n'arrivent plus, même s'ils le voulaient, à poser des véritables diagnostics. Vous savez pourquoi avant, le gouvernement a quelques bonnes solutions? Mais parce que les ministres du gouvernement fréquentent au lycée Leclerc, au lycée, les hauts responsables fréquentent au lycée Joss, etc. Leurs femmes, y compris même la première dame, faisaient son marché à Mokolo. Elle allait, elle travaillait, même Jeanne Irembi, elle travaillait à l'hôpital central. Donc elle avait un problème, elle peut être au courant, elle en parle avec son mari, etc. Mais depuis quelque temps, ils ont créé des enclaves dans lesquelles ils se sont enfermés. Et ils peuvent être au courant de l'actualité, mais n'ont aucun contact avec la réalité. Donc, du coup, leurs solutions sont seulement défaillées parce que dans leur tête là, pour quelqu'un qui vaut 4, 10 milliards par an, il dit que seulement 10 bouba. On vous dit 10 000, vous dites que alors qu'on va vous donner la carte nationale d'identité. Mais qui a intérêt à connaître le nombre de Camerounais ou le nombre de personnes au Cameroun? C'est l'État. Pourquoi est-ce qu'on doit payer pour un service que l'État nous doit? Docteur Simon, est-ce que le problème se situe à ce niveau, niveau où ceux qui décident ne se soucient pas de la base, c'est-à-dire du bas peuple?
Je crois que c'est une parfaite question que vous posez, Monsieur Bouba, mais il y a quelque chose que je veux souligner avant de m'exprimer sur la question. C'est que j'exhorte les uns et les autres à diluer un tout petit peu la théorie de la compassion ou de l'excitation. Parce qu'en réalité, ça ne va pas aider le Camerounais que nous voulons édifier aujourd'hui. Ça ne va pas aider le citoyen qui nous écoute et qui a besoin de ce précieux sésame. Parce que nous savons bien, et d'ailleurs tout le monde l'a dit sur ce plateau, la CDI, après l'acte de naissance, c'est la pièce maîtresse qui identifie le Camerounais à sa nationalité, à sa terre. Donc, je veux qu'on parte un peu en arrière. Hier, on la faisait à 2800. On a fait... était à 2800. Oui, bon, de manière générale. Globalement, ça nous coûtait 6 000. Bon, si vous voulez, j'ai voulu écarter... Non, je vous en prie. J'ai voulu écarter... Permettez que j'aille jusqu'au bout, voilà. J'ai voulu écarter les paperasses d'identification au niveau du palais et puis aller juste au niveau du commissariat. Hier, on était, comme il veut, le 6 000. On s'est rendu compte qu'il y a un problème majeur qui s'est posé. La difficulté de l'avoir. D'ailleurs, Valère l'a parlé tout à l'heure des citoyens qui ont, je crois qu'il y a un parti politique même qui a développé un slogan sur « Je veux ma CNI » parce qu'on était à un an, deux ans, trois ans sans CNI. Et lorsqu'on approchait, n'est-ce pas, les responsables en charge, on nous parlait soit du matériel qui est terminé, soit... du matériel qui est défectueux, soit toujours il y avait une raison de toutes les manières. Donc aujourd'hui, moi je crois que l'objet, l'élément important, c'est de voir la faisabilité de l'action et la disponibilité de la chose. Vous vous souvenez également avec les passeports. Lorsqu'on a commencé avec les passeports à 110 000, tout le monde a commencé à crier. Mais en 72 heures, on a été satisfait du résultat. Et puis, l'autre élément qu'il faut souligner, c'est quand même la durée d'une CNI. Lorsque j'entends des gens parler, on a l'impression que la CNI, M. Bouba, c'est un acte qu'on la fera aujourd'hui, ce matin, je veux dire quoi, aujourd'hui en juin, et puis on va la refaire en août, on va la refaire en septembre, en octobre. La durée, je vous coupe pas, la durée n'a pas changé. Elle a toujours été de 10 ans. Voilà, il faut rappeler. Il faut bien rappeler que la durée, c'est 10 ans. Et l'arche pour l'avoir au Cameroun, c'est à partir de 20 ans. Pourquoi la carte d'identité doit même se périmer? Bon, ça, je sais pas. Il faut demander peut-être. Mais c'est une absurdité. Il faut demander aux spécialistes de de sécurité. Quel est le pays où la carte nationale de sécurité se périme? Donc vous périmez entre temps. Ils savent. Vous n'êtes plus Bouba. Ils savent. Pour des questions sécuritaires, je suis mal placé pour vous donner ces... Je peux continuer? Voilà, donc je disais, on a une carte qui a une validité de 10 années. On a une carte qui se fait à une certaine période, à partir de 20 ans au Cameroun. Ça suppose que un ensemble de préalables, de prérequis sont pris en compte pour amener le citoyen à pouvoir être en mesure de s'offrir cette carte d'identité. Et moi, je pense que la priorité majeure des Camerounais aujourd'hui, c'est l'obtention immédiate de ce précieux sésame. Oui, moi je l'appelle un précieux, pour montrer combien il est important. Je suis d'accord là. C'est un précieux sésame. Je dis bien, pour moi il est important. Et vous n'allez pas m'empêcher de le dire, monsieur maire. Je vous en prie, c'est mon avis. C'est une pièce importante pour un citoyen. Et d'ailleurs, indispensable pour un citoyen, si vous voulez que je vous le dise. Vous allez me permettre de continuer? Poursuivez. Vous allez souffrir de me permettre de continuer. Ne soyez pas, ne soyez pas. Donc, j'étais en train de dire, du moment où il est indispensable ou alors incontournable pour le citoyen camerounais, la nécessité aujourd'hui se situe au niveau de la durée. Alors je me dis, si on peut l'avoir en trois jours, en deux jours, pardon, et que c'est effectif, les Camerounais trouveront des moyens. Par contre, on peut avoir d'autres priorités ailleurs. Ça, j'ai compris le discours de Valère, que je pouvais adhérer à un niveau où je dis, bon, pourquoi par exemple l'entreprise allemande et non l'entreprise camerounaise pour mettre en exergue le Made in Cameroun? Voilà les problématiques que j'aurais aimé que vous développiez. Mais maintenant, commencer à dire, c'est monté, c'est l'entreprise camerounaise, c'est pas pour mettre en exergue le Made in Cameroun, madame. Non, c'est pour sécuriser, je vous en prie. Et de souveraineté. D'abord le Made in Cameroun, comme d'abord le... Du café, du sucre. On va finir par... Vous allez finir par me laisser parler. J'insiste encore en disant, j'aurais aimé,
Et ça, c'est moi qui le dis. J'aurais aimé qu'on mette plus l'accent sur le Cameroun. Qu'on mette l'accent sur le Cameroun. Je crois que je finirai par ne plus vous écouter. Qu'on mette l'accent sur le Cameroun pour l'amener, n'est-ce pas, les citoyens camerounais à garder ce minimum de sécurité-là. Mais j'ose croire, je vais terminer par là, en disant que bien que les Cameroun aient fait le choix sur une entreprise allemande, rassurez-vous, les aspects sécuritaires seront automatiquement pris en compte. Je peux vous l'assurer. Vous ne pouvez pas commencer à dire ipso facto non, c'est faux, c'est mauvais, lorsque l'action n'a même pas encore été prise en compte. Alors, je dis bien, l'aspect sécuritaire sera forcément pris en compte. Alors, Joya Moussa, pour oui. votre préoccupation de tout à l'heure, un haut responsable chargé de CNI me signale que la carte doit se périmer parce qu'en même temps, on peut changer de nom, on peut changer de domicile, on peut changer également de profession. Donc, Bouba, je réponds alors. J'ai dit que on peut aller plus loin, c'est-à-dire que quand vous faisiez votre carte nationale d'identité, vous n'êtes pas marié. Oui. Maintenant, vous étiez élève. Après, maintenant, vous changez de statut. Vous devenez marié. Monsieur Bouba, oui. Bouba. Pour aller plus je loin, parle sous le contrôle. La femme qui porte le nom de son mari après. D'accord. Docteur, si on peut parler. C'est juste. Je vous dis deux minutes. Une précision après. L'initiative revient à l'identifier dans tous les pays au monde. D'inscrire les nouveaux éléments de son identité sur son acte. Je vous prends le cas de la profession. Nous tous, on a fait le cadre étant étudiant. Quand vous changez de profession, vous me trouvez que quand tu as présenté ma carte d'identité comme étudiant, ce n'est plus opérationnel. Vous changez, vous allez faire une autre carte nationale d'identité pour mettre la nouvelle profession administrateur civil, enseignant d'université ou quoi que ce soit. Si vous êtes marié maintenant, vous trouvez que c'est un enjeu identitaire pour vous, vous allez changer. Mais vous ne pouvez pas imposer une taxe tous les 10 ans des citoyens disant qu'il doit venir changer sa carte nationalité, ça se périme. Pourquoi la carte de l'État ne se périme pas? Alors qu'on changeait concernant de domicile. Ok, d'accord. Allez, on va aller maintenant très rapidement pour un dernier tour de table sur cette question avec vous, maître. Y a-t-il pas des avantages à obtenir une carte nationale d'identité en 48 heures quand on sait que les Camerounais crient depuis? Et là, on a suivi le secrétaire général à la sûreté nationale qui parle d'environ 3 millions à 4 millions de Camerounais qui ont la double identité. Quel est l'avantage de pouvoir faire une carte d'identité vue en express en 48 heures mais avec un prix de 15 500 francs CFA. Ben, je vais vous répondre d'emblée qu'il n'y a aucun avantage. Aucun avantage parce que il y a de cela 15 ans, les Camerounais obtenaient leur carte nationale d'identité dans un délai raisonnable, sans débourser autant d'argent. Ça veut dire que ce qu'on a pu faire il y a 15 ans, il est possible de le faire encore aujourd'hui. Voilà, vous savez, j'ai écouté Madame Simo qui représente le RDPC sur ce plateau. Et pour ceux qui sont habitués au débat politique, ils ont constaté qu'en général, les termes qui sont utilisés par les communicants du RDPC sont des termes qui relèvent d'une communication politique qui est commandée par la hiérarchie du parti. Elle a parlé de précieux sésame pour qualifier la carte nationale d'identité. Moi, je pensais que on parlait de précieux sésame pour désigner quelque chose de superfétatoire, quelque chose dont on peut se passer, mais qui peut être valorisé si on l'a entre les mains. Le précieux sésame n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire et même de nécessaire, mais la carte nationale d'identité n'est pas un précieux sésame, c'est un droit. C'est un droit. Alors, qualifier ça de précieux sésame, c'est un peu comme si c'était une faveur pour l'État que de le mettre à la disposition de ses citoyens. C'est un peu comme si certains citoyens, les citoyens qui parviennent à avoir une carte nationale d'identité sont à deux doigts d'avoir accès au paradis. Voilà comment on raisonne avec nos amis du RDPC. Je pense qu'il faut, quand même, à un certain moment, être capable de recentrer les choses et de voir quels sont les enjeux. Je trouve quand même normal. Déjà, le contrat qui confie ce marché, parce qu'il faut dire c'est un marché public, à cette entreprise allemande, c'est un contrat qui normalement aurait dû faire l'objet d'un appel d'offres public. L'État aurait dû communiquer sur ce marché-là pour demander à ceux qui veulent soumissionner de se présenter. À quel moment est-ce qu'on a entendu parler du marché? Comment peut-on négocier un marché comme celui-là de gré à gré? Dans quand j'ai pris la parole pour la deuxième fois, pour la première fois sur ce sujet, je vous ai dit qu'il y a des Camerounais qui sont capables de faire la même chose à moindre coût.
peut-être même avec des gages de sécurité beaucoup plus élevés que ce que ces Allemands nous offrent. Pourquoi veut-on nous faire croire qu'au Cameroun, les Camerounais sont tellement incompétents qu'ils sont incapables d'assister leur pays pour faire une carte nationale d'identité? Et à côté de ça, ou à côté du problème de l'opacité qu'il y a sur l'attribution du marché, il faut aussi dire que, bon, moi, je pense que Valère Bessala, dans son propos, on a eu l'impression qu'il mettait un peu le président appelé hors de cause, à ce sens qu'il aurait été induit en erreur par le délégué général de la sécurité nationale. Moi, je pense que le président appelé, c'est lui le chef de l'État, d'après la Constitution. C'est lui qui doit savoir discriminer sur tout ce qui lui est proposé par les membres de son gouvernement. Ça veut dire que si c'est le DGSN qui a mis sur pied le projet et qui en a parlé au chef de l'État, je pense qu'il est du devoir du chef de l'État de dire, par exemple, que je ne me vois pas en train de me prononcer par ordonnance sur une question aussi cruciale. Non, je ne veux pas savoir ça. Si vous êtes chef de l'État et que vous considérez que vous êtes encerclé par vos collaborateurs, ça veut tout simplement dire qu'à certains moments, bon, vous n'êtes plus à la hauteur de travailler. Parce que j'ai du mal à comprendre. Si c'est les collaborateurs qui contrôlent le chef de l'État, alors que c'est la réciproque qu'on attendrait, c'est qu'il y a un véritable problème. Donc je dis, dans les pays républicains, lorsque des questions comme celle-ci suscitent un tollé public, je pense qu'il est du devoir des pouvoirs publics de repenser la question, de revenir sur la question. Parce qu'on se posait la question, on se demandait tout à l'heure, bon, le président va encore à son ordonnance à une portée réglementaire, il va saisir l'Assemblée nationale pour avoir la loi de ratification. Dans le contexte parlementaire camerounais, aucun député ne peut se mettre debout et se prononcer contre cette ordonnance du président. Donc je dis que nous soyons républicains, à certains moments, lorsqu'on a mal pensé certains projets, écoutons le tollé public, écoutons les contestations et revenons dessus. Valère Bessala, y a-t-il possibilité de revenir sur cette affaire, ou alors c'est l'opacité qui entoure cette affaire? Vous avez parlé des crimes. Est-ce que ceux-là qui ont organisé cette affaire sont prêts à tout au détriment du bien-être des Camerounais? J'insiste sur le crime, parce que c'est un crime, je précise le crime, c'est un crime de lèse souverain. C'est pas un crime de lèse-majesté. C'est un crime de lèse-souverain. Le souverain, c'est le peuple. Le souverain, c'est le peuple. C'est-à-dire quand vous piquez au peuple pour donner à une petite clique d'individus, pour leur lucre, leur enrichissement personnel, c'est un crime de lèse-souverain. Mais je vais vous dire une chose. La dame, Madame Simon, a raison. La carte nationale d'identité, selon leur langage, est effectivement précieuse ces âmes. Parce que la définition du précieux sésame, c'est quelque chose qui est difficile à avoir. Et lorsque l'on l'a, on finit par louer, pour ceux qui sont des religieux, louer l'Éternel, ou louer Allah, comme mon frère Moussa, par exemple. Donc, vous comprenez ce que M. Moussa disait tout à l'heure. Comment un roi peut devenir un précieux sésame? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont des effets de langage qui traduisent en fait le subconscient. Ou louer Allah, comme mon frère Moussa, par exemple. Donc, vous comprenez ce que M. Moussa disait tout à l'heure. Comment un roi peut devenir un précieux sésame? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ont des effets de langage qui traduisent en fait le subconscient, qui trahit, merci, le subconscient de leur complot contre le peuple. Parce que venir sur un plateau et dire que la carte nationale d'identité est un précieux sésame, il le confirmait, l'affirmait devant maître qui en fait voulait même l'amener à comprendre que non, ça ne vous arrange pas. Vous voyez? Donc c'est ça le subconscient. Et M. Moussa vous a dit, quand on nous a appris là, quand un tonneau fait déjà trop de bruit, il va se percer. Nous sommes à la fin du régime. Et c'est pour ça que je dis au peuple camerounais, allez donner les 10 000. C'est pour un an ou deux. Comme je dis avec les sujets qu'on va aborder, les gens qui vendent les départements entiers, les terrains et tout. C'est un décret, hein. En format A4, quelques petites écritures, une signature au bout du décret, on réincorpore tous ces biens dans le domaine de l'État. Terminé. Parce que moi, cette affaire de Rogentique, il suffit qu'en 2025, le peuple vote, ça a changé à la tête de l'État, et puis on annule tout ça. C'est fini. Et pourquoi on va annuler? Parce qu'en fait, je vais aborder ce sujet sur un autre plan. Le problème de la carte et du passeport pose un véritable souci. L'incoordination
de notre génie sécuritaire. Vous savez, les questions de sécurité comme celle-là sont gérées, par exemple, aux États-Unis par l'armée. C'est-à-dire, nous avons un génie militaire au Cameroun, Monsieur Bouba, qui est là pour faire les routes, qui gagne les marchés de routes. J'ai lu récemment encore là, ils ont gagné un marché de routes ici dans la ville de Douala, où le délégué du gouvernement de la ville de Douala a donné un marché de quoi là, je ne sais pas, un génie militaire. Quand on dit un génie militaire, Monsieur Bouba, ce n'est pas les routes seulement, ce n'est pas les bâtiments, c'est le génie industriel, le génie électronique, le génie informatique, le génie sécuritaire, le génie biologique. Merci, Monsieur Moussa. C'est-à-dire qui rentre dans la souveraineté, la sécurité du pays, c'est l'armée. C'est pour ça aujourd'hui que je dis, c'est méchant. C'est méchant non seulement envers le peuple, non seulement avec le président de la République, qui n'a plus vraiment les moyens physiques de pouvoir les suivre. Parce qu'il ne peut plus courir après eux. Je fais un clin d'œil à Maître Sikati. Il n'a plus ses moyens, sans vu son âge. Hein? Mais c'est méchant, surtout envers les personnels sécuritaires. Parce que c'est des gens qui connaissent l'école. À la police, il y a des ingénieurs, des gens qui ont fait de la bonne école, comme dans l'armée, et qui peuvent faire ce que ces petits blancs-là viennent faire chez nous, s'enrichir et aller loger de l'argent dans les comptes hébergés extérieurs de nos dirigeants. C'est méchant envers eux parce que ils font l'école. Parfois, c'est l'État qui paye leurs différentes formations. Et on appelle un monsieur avec une entreprise de mallette pour venir les employer. Rassurez-vous, vous croyez que ce monsieur va venir avec les Allemands pour faire ça ici? C'est nos policiers, hein? Tout grade confondu. Allez au service du passeport. C'est nos policiers qui sont là, qui vous accueillent, qui font tout le job. Tout le job. Vous allez voir que même celui qui s'occupe des machines, c'est des Camerounais. Le blanc, lui, il passe le temps en Allemagne, et le Cameroun dans l'avion. Il fait le tour de Cameroun. Dans son, sur son portable, il vérifie si l'argent était viré par le Cameroun. S'il ne s'est pas été viré, il fait la pression à l'État. Non, c'est non, fini, c'est terminé. C'est lui qui vit l'argent au Cameroun. Je voudrais donc vous dire que voilà la méchanceté des aînés. C'est-à-dire que nous avons une ressource humaine que l'État forme avec l'argent du peuple. Ces vaillants policiers. Mais on préfère ne pas les utiliser parce que nos intérêts sont dans notre ventre. Et donc, on va chercher un blanc. Et on rend nos policiers esclaves d'un individu parfois ou d'une petite clique de deux ou trois individus, parfois qui n'atteignent même pas le quotient intellectuel de nos gens qui tuent. Je dis cela et je ne sais plus rien pour sortir que il est donc important d'assurer, et là je vais en appeler monsieur le DGSN, parce que je sais que lui aussi, il est né du président d'un an. Mais il est encore plus solide apparemment, je vois. Et aussi, monsieur le ministre de la Défense, d'engager un dossier de coordination, d'harmonisation des ressources sécuritaires de l'État. C'est-à-dire dans le sens de créer un véritable génie sécuritaire. C'est-à-dire que refondre ce qu'on appelle le génie militaire en un génie sécuritaire qui implique à la fois les forces de sûreté, de sécurité et de défense qui ont une certaine connaissance à la pointe de certains domaines scientifiques afin de pouvoir sécuriser certains domaines de notre État et ne plus nous laisser à la vindicte et à la merci de ce genre d'aventuriers à qui on donc confie notre CNI. Donc.